Forum, le jeune du message. Vous avez lu une citation où Frère Branham dit « Mariez-vous à quelqu'un qui croit exactement comme vous. » Alors, on veut savoir, que veut dire « exactement comme vous » C'est-à-dire, je dois me marier si il faut me marier, je dois me marier à une sœur si je crois que les tonnerres sont révélés. Je dois chercher une sœur qui croit aussi que les tonnerres sont révélés. Je dois chercher une sœur qui croit que Jésus est déjà venu, si je crois que Jésus est déjà venu. Que veut dire croire exactement comme vous? Je crois que la réponse de Frère Branham ou la déclaration du prophète est claire. Mariez-vous à quelqu'un qui croit exactement comme vous? Je ne sais pas si ça a besoin d'explication. Je ne pense pas parce que ce que Frère Branham dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Vous n'allez pas vous marier à n'importe qui. Frère Branham a été clair, ne vous mariez pas à quelqu'un qui ne croit pas, à un incroyant. Mariez-vous à un croyant. Mariez-vous à un chrétien. La personne que vous voulez prendre en mariage, vous personnellement, vous savez que c'est une personne qui croit exactement comme vous vous croyez. Vous n'allez pas prendre une femme qui ne croit pas comme vous. Je ne sais pas s'il s'agit de croire ce qu'on croit dans une église. Le problème est celui-ci. On pose une telle question parce qu'aujourd'hui, une certaine compréhension du message fait croire que chaque église locale doit avoir sa doctrine. Je crois que ce n'est pas ça la pensée de Frère Branham. Frère Branham disait, l'église méthodiste a une doctrine. L'église baptiste a une doctrine. L'église catholique a une doctrine. L'église du message a une doctrine. Notre doctrine, c'est le message de Frère Branham. Dans toutes nos églises, on prêche en disant Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Voilà, des petites différences qu'il y a. Là, ce sont des, Frère Branham appelle ça des petites différences ou des petits points de vue qui n'est pas, ce n'est pas ça la doctrine. Jésus est venu, tout ça, ce n'est pas une doctrine. La polygamie, ce n'est pas une doctrine. Frère Branham a dit ce qu'il a dit dans mariage et divorce. Nous croyons ça. Mais les gens qui font des doctrines, là, ce sont d'autres problèmes. Mais vous êtes un croyant du message. Mariez-vous à un croyant du message. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, pasteur. C'est-à-dire, exactement, si on comprend bien, c'est être dans le message. C'est ce que vous aviez dit. Vous venez de répondre, oui. Vous êtes un croyant du message. Vous allez vous marier à une sœur croyant du message né de nouveau. Le pasteur Fibidi l'a vient de donner un point très important. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a l'éducation du message parce qu'il est né de famille de croyants du message, mais quelqu'un qui est croyant du message parce qu'il a l'expérience de la vie du message. Merci. Merci, pasteur. Quand vous dites ça, que nous devons nous marier exactement, c'est-à-dire dans le message. Mais dans le message, nous avons, disons, les gens qui croient que Branham est Dieu, adorable. C'est-à-dire, comme nous sommes tous dans le message, il n'y a pas de problème. On peut se marier comme ça parce que nous sommes tous dans le message, exactement. C'est pour cela que j'ai appelé ça de point de vue. Ça, c'est un point de vue d'un prédicateur et des gens qui épousent ce point de vue-là. Les gens qui croient à ça, qui veulent se marier entre eux comme ça, c'est leur problème. Mais Frère Branham dit, mariez-vous à quelqu'un qui croit exactement comme vous. Je ne sais pas si nous avons plusieurs fois. Dans la Bible, il est dit qu'il y a une seule foi. En principe, c'est une seule foi. Les détails, les différences qu'il y a dans nos églises, là, c'est... Je crois que tous ceux qui sont prêts, qui doivent aller dans l'enlèvement, quand on arrivera dans l'enlèvement, il n'y aura plus de problème de Branham et Dieu, et ceci et cela.
Je crois que ce sont des choses très compliquées. On préfère ne pas y entrer. Mais restons dans ce que le prophète a dit. Croire exactement comme... C'est vous qui vous mariez. Vous savez la personne que vous voulez marier. S'il croit exactement comme vous, mariez-vous avec elle. S'il ne croit pas comme vous, vous êtes libre de vous marier. Mais pasteur Mali, c'est justement ces divergences qui nous bloquent aujourd'hui. Moi, la femme que j'ai mariée aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais vue avant. Je suis parti dans une église, on m'a dit que non, voilà, toi tu crois comme ceci, tu crois comme cela, voilà. Tout ça, ça nous bloque. Qu'est-ce que vous appelez divergence qui continue à bloquer les jeunes qui veulent se marier aujourd'hui? Je crois que, frère Branham, dans ce que nous avons lu ici, il faut premièrement prier et dire à Dieu, est-ce là ton plan? Si elle est ta femme, peu importe l'église à laquelle elle prie, si c'est ta femme, vous vous marierez. Si elle croyait ce qu'elle croyait, je crois que si vous croyez ce qui est juste, elle finira par croire ce qui est juste. Parce que c'est la femme que Dieu vous a donnée. Parce qu'au départ, n'oubliez pas dès le départ comment se marier. Le prophète a dit, priez. Si c'est Dieu qui vous a donné cette femme-là, je crois que le problème, les autres problèmes-là se résoudront de soi-même. Okay. Parce que c'est Dieu qui vous a donné cette femme. Merci, pasteur Mali. Forum, le jeune du message.